Coucou mes choupinous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Alors aujourd'hui on va répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, la première question c'est comment tu fais pour rester toujours positif? Comment je fais? Bah, je me dis qu'il y a pire que moi. Que dans la vie, il y a des trucs pires et que ça sert à rien de voir négatif. Et de toute façon, avec tout ce qui se passe, aussi ce qui s'est passé de mon côté par rapport à ma chaîne YouTube, comme vous avez su, que j'ai dû la supprimer et tout, bah quand je me dis c'est des petits cons qui n'ont rien d'autre à foutre et que leur vie est misérable et qui veulent faire casser les bonbons aux autres, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas tellement de secret pour ça. Comment est-ce que tu gères le côté négatif des réseaux sociaux et de YouTube? Je regarde ma puce, je vais ma puce sur Twitter pour regarder ce qui se passe. J'en suis sûre à certains que c'est reparti sur Twitter. De toute façon, ça, pour moi, c'est un site qui amène à la haine envers les personnes, la méchanceté, du harcèlement envers cette personne-là et que la personne qui a créé Twitter doit supprimer parce que pour moi, ça considère juste à la haine. Méchanceté sur les réseaux sociaux, tu vois, même sur YouTube, je vais même pas chercher si savoir si oui ou non il y en a qui ont repris mes vidéos depuis que j'ai rouvert ma nouvelle chaîne parce que ça m'a tellement bousé, ça m'a tellement fait chier moralement au début que maintenant je me suis dit non, stop, je vais arrêter parce que j'ai quand même une fille à côté et que il y a pire. Maintenant, je fais mes vidéos et celui qui est pas content de voir mes vidéos. Ben, il va se faire foutre, il va voir ailleurs. J'oblige personne à regarder. Et de toute façon, les gens, il y en a qui sont là juste pour foutre la haine et je trouve ça horrible. C'est tout. Vas-tu refaire des vidéos recettes comme avec les spaghettis saucisses? C'était original. Non, je ne ferai pas de recettes sur ma chaîne. Je le ferai sur Instagram, oui, mais pas sur ma chaîne. Je vous ferai des petites recettes sur Instagram, mais pas sur YouTube. Pour que ça reparte en cacahuète, on va éviter. Mais bon, s'il y en a qui ont aimé, ça va, la recette. Après nous avoir avoué que tu avais des crises de boulimie, as-tu un déclic pour te reprendre en main en maintien de nourriture? Alors, non. Comment dire? Non. Ça m'arrive encore d'en faire. La dernière, c'était quand je vous avais dit que j'avais fait ma crise de boulimie, que quand ma fille était partie à l'hôpital, voir le médecin à l'hôpital à Marojol, par rapport à son bébé, qu'en fin de compte, ça c'est un truc qui m'énerve, c'est qu'on ne sait toujours pas. J'en ai pas refait depuis. Ça fait 15 jours, j'en ai pas refait. Parce que je suis arrivée. Juste de fait, vous en parler, ça m'a fait du bien. Oui, j'ai été, de toute façon, vous verrez. De toute façon, non, vous avez vu déjà le retour de course que j'avais fait avec ma puce. Non, mais c'était encore des gâteaux. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que j'essaye, quand j'ai envie de me jeter sur la bouffe, de dire non. Alors je bois un thé, je bois de l'eau. Mais c'est pas évident d'arriver à se contrôler. Mais quand je peux, j'essaye. Coucou Aurore, tu as récemment changé de couleur de cheveux. Pourrais-tu faire en vidéo la prochaine fois? Non, parce que comme vous le savez, je suis en train encore de rechercher parce qu'il y a des trucs, oui, il y a des sites qu'on m'avait passé pour faire des montages. Le seul problème, c'est que j'arrive à monter, mais juste que le son, c'est comme si vous passez sous un tunnel, ça coupe, c'est horrible. J'arrive pas, il faut que je trouve un site qui soit comme il faut. Eh bien, parce que je voudrais faire pas mal de choses sur ma chaîne, mais bon. Alors non, je vous montrerai pas comment j'ai ma couleur. De toute façon, je pense que oui, vous avez vu les produits finis.
Oui, je crois que même, ouais, vous l'avez vu, elle est déjà sortie en vidéo. Ou ben, je suis pas fait chier, je l'ai acheté au supermarché là où je travaille. De toute façon, c'était Schwarzkopf, c'était la même marque que j'ai acheté quand je faisais une couleur violet. Mais non, je vous montrerai pas en vidéo. Coucou, alors pourrais-tu faire des tutos maquillage, exemple un maquillage pour le travail, la soirée, de jour, tous les jours? Oui, oui, je peux faire ça. Oui, oui, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. Ah, pas de problème, je ferai. De toute façon, c'est prévu que je vous fasse des tutos maquillage, comme quoi des tutos. Comme vous savez très bien, je ne suis pas une pro du maquillage, hein, je ne suis pas tellement maquillée, mais bon, c'est en faisant que j'apprends les choses. Oui, je suis en train de boire le cappuccino. Il y en a, je sais, qui vont me dire encore avec ta tasse. Ouais. C'est pas grave. Que penses-tu faire? Que penses-tu te faire être végétarienne? Pourrais-tu envisager? Alors, végétarienne, si je pourrais envisager. Quoi, végétarien, si je trompe pas, parce que. Ouais, vegan et végétarien, c'est pas pareil. Végétarien, vous mangez pas de viande. Et vegan, vous mangez pas de poisson, de viande, d'œuf ou tout ce qui fait partie d'animal. Bon, je sais que si je me trompe, vous allez le marquer en barre d'infos. ouais, végétarien, oui, c'est vous mangez pas de viande. Vous mangez que des légumes. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Peut-être, je sais pas. Pourquoi pas essayer, mais je sais pas, on verra. Que penses-tu des enfants stars? Le fait d'être très connu très jeune, comme Justin Bieber, Beyoncé, Britney Spears par exemple. Bisous, je t'adore. Ce que je pense des enfants stars, c'est que j'ai l'impression que moi, les parents, bon, c'est comme je dis toujours, c'est mon avis. J'ai l'impression que les parents qui font ça, c'est pour avoir de la thune. Quand ils mettent leur enfant que ça soit sur YouTube, que ça soit des enfants stars comme ça, de bonheur. Des fois, c'est pas obligé que ça soit ce que l'enfant ait envie de faire. Et que les parents, en fait, ils ont dit, tu fais ça parce que ça nous ramène de l'argent. Enfin, en gros, moi, j'ai l'impression de ça, qu'ils exploitent leur enfant pour avoir de l'argent. Et je trouve ça horrible, quoi. Parce que l'enfant, des fois, n'a pas demandé d'être comme ça. Ça, après, regardez, je sais qu'il y a des enfants, les enfants stars, plus jeunes, ont pété un plomb, hein. Parce que c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Au contraire, ils voulaient pas être connus. Mais bon, des parents les avaient forcés à faire ça. Et moi, comme, de toute façon, vous savez très bien, comme moi, je vous ai toujours dit, ma fille, je ne forcerai pas à faire ce qu'elle veut pas faire. C'est tout. Non, c'est qu'à même temps, je suis en train de regarder YouTube, je suis en train de regarder les secrets de Nana. Vous savez, c'est une nana, c'est une dame qui fait à Action d'autres magasins comme Jiffy et tout, qui vous montre ce qui est sorti. Et comme je dois aller à Action le mois prochain, là, vous savez, et tout, je vois qu'il y a des saladiers et des plats pour gâteaux qu'il faut que j'en achète. Et que ça me donne une idée à peu près de prix et voir comment ils sont les plats. Excusez-moi. Alors. Après, coucou. Alors, dans quoi souhaites-tu travailler? Vous savez, de toute façon, là, j'ai déposé mes CV, j'ai déposé tout dans les boîtes aux lettres. Maintenant, j'attends. On va attendre. Moi, de toute façon, comme vous savez très bien, j'aimerais bien continuer à travailler dans des lycées ou dans des collèges. Pourquoi? Parce qu'il y a des heures qui sont mieux par rapport à ma puce. Et parce que moi, j'ai tous mes week-ends par rapport à ma pépette et j'ai mes vacances scolaires. J'ai pas le souci à la faire garder, même si je sais que j'ai ma voisine qui pourra me la garder, son mari ou tout pourra me la garder, mais je veux pas être dépendante de quelqu'un. Et si je peux avoir, voilà, tous mes week-ends et mes vacances scolaires, ça m'arrangerait beaucoup. Et comment fais-tu pour toujours rester positif dans toute situation? De toute façon, j'ai répondu à la première question, et aussi la personne. Il y a ma puce, hein, qui fait. Qui
Okay. Elle est tout le temps positive, joyeuse. Et ben, pareil, de toute façon, maintenant, ça ne m'éteint plus. Je suis arrivée à un stade, je vous dis, où tout ce qui s'est passé, ça ne m'éteint plus du tout. Et que voilà, j'ai envie d'avancer et pas rester sur place. Rien à voir avec la question, mais nous avons adoré ta vidéo avec Marlène. On a pu vous découvrir encore plus. Vous êtes géniales toutes les deux. Gros bisous à toi et à ta fille. Alors, merci beaucoup. De toute façon, avec Marlène, j'en ai déjà parlé avec moi, de refaire quelques vidéos encore avec elle. Même elle me l'a encore proposé. Et on va voir, on va trouver, essayer. Si vous avez des idées de sujets qu'on voulait faire, que vous voulez qu'on fasse avec Marlène, il n'y a pas de souci. Vous nous dites en barre d'infos. Et en commentaire ou sur mon Instagram, et je verrai avec elle. Voilà. Après, il y a Coucou Aurore. Que regardes-tu la télé? Aimes-tu les séries, les films d'action, les romances? Bisous. Alors, la télé, comme vous le savez, je ne la regarde pas vu que je suis au courant de la moitié des choses qui se passent. Je regarde, depuis que j'ai acheté le boîtier pour connecter ma télé, je regarde beaucoup Prime Video, YouTube ou Amazon. Et c'est vrai que je, là, ben, l'autre fois en live, je vous avais dit que j'avais, j'étais en train de regarder Smallville. Je vais y arriver. J'aime bien regarder des vieilles séries de, bon, quand j'étais jeune, oui, parce que j'ai que 32 ans, quand j'étais jeune. C'est vrai que j'aime bien aussi regarder tout ce qui est... séries sur... moi, j'aime bien regarder certaines séries, bon... pas trop d'horreur, parce que je suis pas fan des films d'horreur, ni des séries d'horreur. Il y a quoi? Des films d'action... ça peut m'arriver d'en regarder, des films d'action, des romances aussi. En fait, le problème, c'est que je vais pas regarder précisément certaines choses. Je vais mettre un film... ou une série, si ça me, si le début me plaît, ben je vais regarder, si ça me plaît pas, ben je vais pas le regarder, c'est, je suis comme ça. Comme là, le dernier film que j'ai regardé, que moi je l'ai trouvé super, bon, je sais qu'à Paris il a fait polémique sur internet, c'est 365 jours. Là hier j'ai eu un ami qui m'a appelé, je lui ai dit, ben, j'ai regardé ce film, et il me dit, j'ai regardé un quart d'heure, ça m'a saoulé, j'ai rien compris. Bon, moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'est vrai que la fin, elle est chelou. Mais bon, j'ai bien aimé, les sur Netflix. J'aime bien aussi regarder tout ce qui est documentaire sur les extraterrestres, sur l'effet paranormal. Alors, je sais, je suis chelou. Ça, de toute façon, vous le savez maintenant. Je ne peux pas regarder les films d'horreur. Mais les trucs paranormal, je peux les regarder que les journées. La nuit, c'est même pas la peine. Ou sinon, il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. C'est ce qui reste toute la nuit. C'est pas possible. Je sais, je suis chelou. C'est comme le grand JD, vous savez, qui a sa chaîne YouTube. Il fait des trucs, vous montre des photos, par, des expériences qu'il y en a qui ont marqué. Je ne peux pas le regarder le soir. Il faut que je le regarde la journée. C'est plus fort que moi. Demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais voilà, c'est, j'aime bien aussi voir comment, comment les trucs ont été faits avant, comme l'Égypte, les temps romains, les trucs comme ça. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment la vie était avant. Voilà, j'ai pas de, précisément des trucs précis que j'aime, ça dépend. Si je regarde, ben, j'aime bien. Comme là aussi, j'avais regardé un documentaire que je me suis couché tard en plus. Que mon ex m'a dit, regarde-le, tu vas voir, il va t'aimer. Oui, parce que c'est, ça parlait sur les trans, voilà, sur Netflix. Et c'est vrai que il y a des documentaires comme ça que je regarde, que ça me plaît. Quand j'ai eu à mon ex, si tu peux regarder, peut-être ça pourrait te plaire. Voilà. Voilà, il y en a plein qui me proposent, je regarde, mais j'ai pas de thème précis à regarder. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah si, il y a une question qui est pas là, qu'on m'avait posée sur Instagram, que j'ai pas imprimée. Que je vais répondre.
On m'a demandé si j'avais bu pendant ma grossesse. Alors, non, je ne bois, de toute façon, comme vous savez, si je bois 2 verres d'alcool dans le mois, c'est un grand max. Et encore, c'est plutôt tous les 2 mois. Et encore, je ne bois pas d'alcool, de toute façon, c'est rare. Le seul alcool que je bois, c'est du rosé. Je crois que je vous avais fait une vidéo sur un tour de course que j'en avais acheté parce que je devais... J'avais du monde qui devait venir à la maison et que voilà. J'avais acheté du rosé limé fraise. Quoi, c'est du rosé. Alors, c'est à la rose, à la fraise et ananas qu'il y avait dedans. Il est super bon. Non, je parle de ma grossesse. Je n'ai pas bu d'alcool. Alors, je vois pas pourquoi ces questions. Voilà. Mais de toute façon, si vous voulez que je vous refasse un autre question-réponse, vous m'envoyez vos questions sur Instagram ou par mail, je vous marquerai mon adresse mail et tout. Mais écoutez, moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Courage à ceux qui doivent aller travailler. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mes choupinous. Bisous!